Chers frères et sœurs dans la foi, ce jour samedi 30 avril 2022, correspondant au 29 Ramadan 1443, est l'avant-dernier jour du mois de Ramadan, et demain dimanche 1er mai en sera le 30e et dernier jour. Après confirmation de la non-effectivité de la vision de la Lune et concertation ce jour des membres du Bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin, que j'ai l'insigne honneur de présider, et la consultation de nos responsables départementaux et des personnalités de notre communauté. Il me revient l'honneur d'annoncer à tous les musulmans béninois que l'Aïd el-Fitr, la fête qui marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan, aura lieu le lundi 2 mai 2022, correspondant donc au premier Shawwal 1443, conformément à la parole du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Et si le nuage vous empêche de le voir, c'est-à-dire le croissant lunaire, portez le nombre de jours jeûnés à 30. » Chers frères et sœurs de la foi, voici le mois béni de Ramadan qui nous quitte. C'était le mois du bien, le mois des bénédictions, le mois de repentir et le mois des actes d'obéissance. En disant au revoir au mois du repentir, persévérez sur le repentir. En saluant le mois de l'obéissance, persévérez sur l'obéissance. La vie d'ici-bas n'est que quelques heures qui passent pour chacun d'entre nous, ou quelques minutes, voire moins que cela par la suite. Félicitations à toutes et à tous qui avaient œuvré pendant ce mois béni de Ramadan. Je nous invite tous, hommes, femmes et enfants, à sortir massivement de chez nous demain lundi 2 mai 2022 pour répondre à l'appel du rassemblement de l'Aïd. La joie pour la fête de l'Aïd el-Fitr est éminente. Elle est grande, mais la joie est encore plus grande lorsqu'au jour du jugement, le croyant pieux, bon, pur et vertueux trouvera dans le livre de ses actes, ses bonnes œuvres, ce qu'il le réjouira, alors que d'autres seront perdants et iront à leur perte. Bonne fête de l'Aïd el-Fitr. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.